Alors, on sent pas beaucoup de différence, toi. On sent pas beaucoup de différence, toi. Retenez-le. Une chose étrange, un fait très curieux, que pendant les vendanges, on voit le plus valieux. C'est une chose étrange, un fait très curieux, qu'à cette époque, on voit le plus valieux. Non, mais peu importe, mais... C'est quoi les chiens, là? Une chanson douce que me chantait là. Font le cœur ravine, c'est ça qui les tient, c'est pas le chagrin. Aussi peu des fois on n'a pas le choix, Cupidon va bah vous les tirer sur la foule. Comment ça va, Tim? Ça va bien. Non, ça va. Aussi, est-ce qu'il est sûr de savoir ce que c'est? Est-ce que pour lui, le vin nature, c'est du vin bio? C'est toujours, moi en tant que caviste, c'est toujours une question que j'entends depuis 7 ans. L'asperge, elle doit toujours être bien croquante, hein, elle doit être bien juteuse au pied, ça c'est très important. Si, évidemment, elle doit être blanche, là c'est vrai qu'on a travaillé un petit peu en mise en place, elle est bien blanche quand elle arrive et on doit la traiter le plus rapidement possible. On va vous servir ça, mais pour beaucoup plus qui, quoi, parce que, pas déconner, ça coûte cher. Des années. Autrement, c'est quoi, c'est septembre? Parfait. Bonjour, vous êtes nouveau? C'est bien. Après, plein de chansons qu'on va chanter maintenant. John Lennon est mort, m'aurait-il John Lennon. Boo!
merci à vous qui avez fait à manger, c'était très bon. Alors maintenant il va falloir lever vos fesses de vos chaises et faire la danse du fucking land avec nous. Anthony, merci qu'on peut être là et c'est très bon ici, c'est très bien. Merci. Comment on fait une pâte feuilletée, expliquez. Oui, mais rapidement, là, dans le détail. Monsieur Laherte aussi, ici, qui se marie, merci. Tant mieux. Fais gaffe, hein, t'es repéré, là. C'était bon. Il passe à bord. Producteur de 20 pays. Je sais pas ce qu'il veut depuis hier. Hein. Ah, voilà. Le signe du cuisinier, c'est quoi alors? Chef, c'est moi, chef. Chef. Ah si, c'est moi, chef. Chef. Non, les pays, on va pas le derrière. Vous avez la photo avant, vous avez la photo après. Ça vous va comme ça? Tellement de monde et puis d'enthousiasme. Ça c'est toujours comme ça, Vini Circus, des gens ouverts qui viennent et qui n'hésitent pas à goûter, qui n'ont pas de préjugés, qui sont contents d'être là, joyeux. Donc ça c'est la joie générale. Donc, ça c'est waouh. Et puis quoi? Et puis des super trucs à manger, on s'est régalé. Et puis voilà, toujours heureuse de retrouver les collègues, les bénévoles, une super équipe de bénévoles. Et voilà, chouette quoi. En fait, on va discuter, comme ça tu pourras pas le passer. On va dire que des cochonneries. En plus, il y avait les RG qui filmaient tout le temps. C'est un gros problème des RG. Super mal les choses. En plus, ils s'occupent pas des enfants. Il n'y a pas d'atelier pour voilà. Eux. Il y a des plates pédophiles partout. Donc, ça va être très dur. Non, bravo. Ouais. Bravo. Et merci. Ouais. Et même si on venait pas faire goûter les vins, je viendrai malgré tout à Vini Circus. Moi, pour ma première, bon, pour mon dépucelage de Vini Circus, ça a été quand même. Ça va, j'en sors entier. Vini Circus 2010, mais encore un beau millésime, ensoleillé.
ce qui a été pour nous quand même assez extraordinaire, parce que sinon on n'aurait pas touché un petit peu dans la boue, mais ça fait partie des conditions et de la convivialité également. Donc une très belle clientèle, hyper sympathique et comme toujours super bien organisée. Ça a vraiment, si tous les salons étaient aussi conviviaux avec une nourriture aussi excellente pour les vignerons, cela vraiment prend soin de nous du début jusqu'à la fin, donc on est vraiment chouchoutés. Et en plus, il y a une nouveauté cette année, c'est qu'on sent que ça redémarre l'économie. La preuve, je crois que tous les vignerons repartent à vide. Et ça, c'est le signe d'une bonne reprise de l'économie et ça fait vraiment plaisir.